Ouais, je suis bien ou quoi aujourd'hui? Nouvel épisode, l'épisode numéro 6, je crois. La dernière fois, on avait tapé un 1v1 contre un ours. Voilà, c'était violent en fait. J'ai eu peur au début, mais t'inquiète. Maintenant, on est là, on est déter. Et je vois qu'en fait, ouais, j'avais oublié, on doit faire une route de 1,5 km. Je vais pas faire ça en début d'épisode, vas-y, je couperai et je vous remets quand j'y suis. Allez, à plus. Bon, on est presque arrivé, voilà. Ouais, on est presque arrivé, on est à 130, voilà, 100. Maintenant, c'est notre tour radio, ça, non? Quoi? On dirait, je sais pas. Bref. Alors, tu veux savoir chasser, c'est ça? Je sais me servir d'un flingue. Pas un flingue, un fusil. J'ai servi dans la division de montagne, Cope, alors épargne-moi le baratin de marine. Abattre un chevreuil, c'est pas abattre un homme. Ou un mutant. Pour bien traquer une bête, suis sa piste. Concentre-toi et analyse son environnement. En regardant bien, tu trouveras les indices. Ah, je dois aller comme ça et lui. Bon, parfait. Alors regarde bien. Tu vois le tas de crottes de cerf? Il est frais. T'as de crottes de cerf là, il est Tu frais. vois? Elles vont par là. Il est frais de ouf là. Ouais, je vois ça. Et j'ai pas d'armes en plus, let's go aussi. Cool. Go pour se faire piner. Quoi de me mettre du soin? Pas de quoi me bagarrer. Le voir. Tiens, prends mon fusil. Si t'as servi dans la division de montagne, tu sauras te servir de la lunette. Ok. Bon, il doit se mettre dans une petite. Ah, juste pour prendre un Allez, fusil. Cope, je sais m'en servir. C'est m'en servir. Doucement, doucement. C'est bon. Que je lui mets un truc dans le fiac? Vous allez débloquer la capacité de traquer une proie qui vous permet de pister un cerf blessé. Ok. Tiré. Non, non, t'en fais pas. Tu l'as blessé. Il va se vider de son sang. Il suffit qu'on le suive à la trace. Je vais le suivre à la trace. Alors, suis-les. Oui, chef. Chef. Putain, pourquoi il me donne des Réussis à ordres? ralentir. Il perd trop de sang. On va courir nous parce que nous Va on a de trouver son point de l'endurance. chasse dans pas très longtemps. Dis-moi, tu sais comment vider un animal? Bah ouais. Ouais. Tu sais, Cope, j'ai déjà chassé avec Boozer. Son père l'emmenait souvent chasser l'élan et ouais, il m'a montré comment vider un cerf. Bon, avec tout le respect que je dois à Boozer, t'as encore beaucoup à apprendre. Tu gâches plein de viande là. Ah C'est ouais? pas mal. Dans l'ensemble, pour un débutant. Ouais, merci. C'est tout? On est venu faire ça? Ok, je vais reprendre ce fusil. Ouais, merci. Comme je t'ai dit, Dick, on a toujours besoin de gibier sur le camp. Il y en a qu'on peut encore récupérer après l'attaque des Reapers. Bien sûr, Cope. Ouais, j'essaierai de m'en souvenir. Salut! Utilise un flingue à fusil. Oh putain. C'est vraiment stylé comme On te voit de plus en plus dans le coin. Et Quoi de neuf, ouais. Manny? Quoi de neuf, Manny? Non, ici j'ai déjà tout. À la prochaine. Non. T'as besoin de quoi? Jette un œil. Accessoires, mi max. Fusil d'assaut.
Et on va reprendre. Faire autre chose pour toi? On va reprendre ça aussi. Excellent choix. Non, ce pour arme de poing. Arbalèque. On peut pas aller à gauche. Casier, ça c'est le mien. Bah Ok. ouais. C'est nul ça ce que tu proposes, mon ref. À plus. Putain, Dick. T'as entendu? Des hélicos noirs. Les fédéraux survolent encore les environs. Tu te rends compte? Attends, quoi? Okay. Merci. Yo mec, t'as dit quoi ici? Aucun job disponible. Pas cool mec. J'aurais voulu avoir un job. Et toi, ça mange quoi ici? Ça se met bien? Tiens, je te donne ça, je te donne tout. Voilà, tu me dis rien? Ok, je vais sortir mon... T'as de la chance, je vais pas sortir mon gun. Bon, on va rouler à l'autre endroit là, parce que ça y est, ici. Ça fait trop l'intéressant. Ouvre le portail avant que je te pète. TG, TG. Ouvre, mon toutou, allez. J'ai bien bordel. Bosman, il a faim là. Chasser les animaux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Déjà de 1. Radio Libre Oregon. Hop. La carte. C'est quoi ça? Planque du mont, je sais pas quoi. Établir un contact. C'est où que je peux chercher? Chasser. Oh, en fait. Je viens de découvrir qu'il y avait une putain de carte en fait dans le jeu. Après 6 épisodes. C'est ouf, non? On va aller là-bas pour chasser les animaux. Laisse-moi tranquille, toi. Touche-moi pas. C'est où ça ce qu'on peut apprendre? J'arrive bientôt à l'endroit où je dois chasser des animaux. Putain. En vrai, je vais tirer au pistolet. Hein. En vrai, de vrai. Petite balle de pistolet, le snipe carry en vrai en fight contre des vrais bugs. On va y aller en moto parce que ça y est, on va pas courir à pied. Parce que nuit en plus, en fait. Il est mort le bail, non? Ça y est. Voilà. Mais non. La chasser des animaux. Encore. Attends, il y en avait un là, il était à 100, je sais pas combien. Pourquoi j'en ai un 280?
un peu correct. Aujourd'hui, ça va être un épisode de chasse, on dirait. Mais c'est où cet endroit de merde? Là, c'est de l'autre côté, chier. Ouais, voilà, toi passe par là, hop, je te bait. Pourquoi suivre le truc sur la carte? Je suive le trait, enfin je regardais le petit truc triangle là, à gauche. Genre qui écrit 80 mètres et tout. En fait, je suis juste la ligne sur la map à droite, c'est tout, j'arrive à l'endroit. Pourquoi je me complique la vie? Oh, il faut que je l'aide. Fais chier. Il faut que je l'aide. Et voilà, encore une fois. Fais-toi piner. Fais-toi piner. Toi aussi. Toi aussi. Arrête! Voilà, meurs. J'ai besoin de quoi? Mais ta gueule, toi, arrête de crier! Tu casses les couilles! Ferme-la! On t'a aidé! Elle est longue à parler, elle. Vas-y, va, Copland, ça y est. C'est bon, laisse-moi. Je peux y aller. Casse-toi. Comme ça, tu te remercies. Laisse-moi tranquille, Zbi. Non, touche-moi pas. Voilà, merci. Allez. Putain. Casse les couilles. J'ai utilisé ma batte pour elle. Ça valait tellement pas le coup. Oh merde. 47% d'essence. Tout va bien les gars. On gaspille tout mon essence. Chasser. Putain d'animal. Bon, on a qu'une seule vie. YOLO. Oui. J'ai touché, non? Ça a fait le truc. Je veux pas voir les trois d'un coup, genre. Ça serait pas mal en vrai. Là, je perds du temps. Il y a un truc à prendre. On va le prendre en despi. Go. Le paradis. Toi, on reviendra pour toi. Toi. Elle est où? Je suis dans la D là en fait. Y'a full truc. Voilà, c'est ça le problème. Non, touche-moi pas. Toi aussi. Putain, mais non, c'est la nuit, je vais me faire piner. Quoi? Y'a des mecs ici? Ou pas? Ça a l'air d'être safe.
Oh là là, alors toi, t'es un vrai casse-couille, hein. T'es un vrai putain de casse-couille, hein. Casse vraiment les couilles. Hein. On va essayer de trouver de quoi on peut nous mettre bien. Je crois qu'il n'y a rien ici. Quoi, c'est un putain de barrage? Je suis dans la D là en fait, je suis full D. J'ai pas d'essence. J'ai. C'est la nuit, c'est la D. Épisode apocalyptique. Bienvenue ici, on dirait. Bon, bref. Bonne petite stressante là. Ça régale. 80%, ça va. Je vais essayer de retourner là-bas et prendre ma viande en vrai. Que je veux. Ma vieille viande. Oh, nick, nick, nick. Je suis bloqué. Non, je suis pas bloqué, c'est bon. Touche-moi pas, touche-moi pas. Oh là là, oh là là, la panique. Les gars, on va faire un truc plus simple. Attendez, R1. Hop. Voilà, les gars. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Là, c'est dans l'autre sens. Déjà, super. Bootsman, là, il va aller chercher sa viande tout seul. Moi, bon, ça me casse les couilles. Mais on va faire ça dans la nuit. J'ai pas d'essence, j'ai rien. Ça y est, hein. On est qui, nous? Bientôt être à sec, c'est la nuit. Réparation plein, les mécaniciens peuvent réparer. Ah oh ouais, putain, cool. Quand votre moto est à l'arrêt, vous pouvez la pousser en arrière ou en avant en utilisant. Ok. Et A few minutes later. voilà, de retour. Là, vous vous demandez, mais pourquoi il a de l'essence dans la main et sa moto est là? Parce que j'ai couru en fait. J'ai couru parce que c'était chiant en fait d'avancer en moto. J'ai couru. Ça m'a cassé les couilles. Voilà, au moins on a de l'essence. Tout ce qui compte, non, en vrai. Du coup, on peut focaliser sur la mission. C'était ça. Hop, on va y aller. Ça y est, on va pas faire une autre coupure, on va laisser comme ça. 200 mètres de toute façon, voilà. Ah, il y avait des trucs. J'ai envie de prendre les trucs, moi. Je sais pas c'est quoi, mais c'est des trucs. Oui, en passant, c'était à la base, du coup. J'ai une batte de baseball, du coup, voilà. On est bien. Balek. Être chaud de suivre un peu là, non? Ok, j'ai capté.
L'autre derrière, il m'a pas vu. C'est bon, je peux avancer normalement. Dans les herbes. On va voir là-bas si j'y. J'ai mieux d'aller voir, mec. Ça a l'air d'être flippant là-bas. Allez, vas-y. Oh, il va, c'est un malade. J'essaie de voir les choses du bon côté. Au moins, t'as pas été déchiqueté par les mutants. Si t'avais tenu un peu plus, t'aurais pu devenir l'un des leurs. La grosse cata, quoi. Vous voulez quoi? Reculez. Je veux juste discuter. Le protocole Nero 2-7 stipule que ces lors d'opérations menées en zone de quarantaine, je rencontre des sujets, des drifts, des civils. Il est interdit d'établir de contact. Ah ouais. Pourtant, on dirait bien qu'on a établi un contact. Oui. Oui, en effet. Vous êtes en vie? Oui. Exact. Comment? Comment c'est possible, O'Brien? Je comprends pas. Ok. Vous y étiez, cette nuit-là, à Farewell. La nuit suivante, dans le camp de réfugiés, les hélicos ont brûlé et tout le monde est mort. Les gens ont été massacrés, tous réduits en putain de charpie. Alors écoutez-moi bien, il y a deux choix possibles. On s'arrange calmement, on papote un peu, vous me dites ce que je veux savoir, et vous retournez bien sagement fouiner dans la merde de mutants, ou peu importe quoi d'autre. Ou alors, je fais un trou dans ce joli déguisement et on voit si vos petits copains vous apprécient autant après vous avoir vu respirer de l'air contaminé. Vous choisissez quoi, O'Brien? Oui, d'accord, d'accord. Vous vous souvenez du toit, la vieille distillerie? J'ai fait monter une femme blessée dans votre hélico. Oui, je me souviens, un coup de couteau. En entaille profonde. Je suis allé au camp de réfugiés où vous deviez l'amener. Tout le monde était mort, alors je vous le redemande. Comment vous avez survécu? On n'y est pas allé. On a été rerouté vers un camp au sud. Vous l'avez dit. Le camp de Belknap a été perdu, alors ils nous ont envoyés dans un autre camp près de Silver Lake. Il y a eu des survivants? Des survivants? Je sais pas, on m'a muté dans l'unité de recherche. Est-ce qu'elles sont sorties? Attendez, je peux m'enseigner, je peux vérifier. Vous avez l'un de nos toki? C'est comme ça que... Je peux rien vous promettre, mais... Je vais voir. Ouais, je viens avec vous. Non, allez, en route. Je vous en prie, non. Vous les connaissez pas, ils vont vous descendre. Je vous tuerai avant. Putain, si vous voulez me buter, faites-le, ok? J'ai fait mon boulot. La femme, votre femme. Je l'ai mis sous oxygène et perfusion. Je l'ai maintenue en vie et ça m'a valu de grosses emmerdes. Elle était condamnée. Alors je l'ai placée à l'hôpital de campagne. Je lui ai sauvé la vie. O'Brien, au rapport. Merde, je dois y aller. Écoutez, vous devez filer d'ici. Vous connaissez pas ces types. Ils peuvent faire des choses horribles. Si j'ai pas de vos nouvelles... Ça prendra du temps, mais je vous traquerai. Et quand je vous aurai retrouvé, je ferai pire que casser une antenne. Je regrette pour votre femme. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Mmh.
Il a raison, ce O'Brien. Manque de provisions. On vient de sortir d'une scène totalement bien pour au final avoir un truc de merde. On doit. Putain, j'ai pas d'arme de pointe. En train de cogiter comme un fou malade et il sait pas. On est dans une putain de scène, putain de musique et tout, et il y a quoi? Oh non. Comment chasser tranquille? J'ai pas de silencieux avec moi. Oui, du coup, je disais, on est en pleine scène, truc et petite triste et tout. Et on me dit quoi? Hey, chasse l'animal! On s'en bat les couilles de l'animal! Tiens, voilà, maintenant on me chasse, mais c'est trop! C'est à cause de cette pub de merde. Casse les couilles. Ah, il est mort. Pas mal ça. O'Brien. Yo, mon animal. Je vois pas. En vrai, on a plein de. Recherche. Le voyage rapide? Ouais. Pas tellement. Les gars, pourquoi se faire chier? Pour entrer dedans. C'est un drifter. Laisse-le entrer. Drift. Pour des balles en vrai. Qu'est-ce que je peux faire? Besoin de rien d'autre? Je vais m'occuper de ton arme, tu vas voir. Repasse quand tu veux. A plus, mon pote. A plus. Quoi de neuf, Manny? Je vais faire le plein, mec. Pas tombé en rade en plein No Man's Land, c'est clair. Et ouais, mec. Merci, mon pote. T'as raison.
pouvais pas dormir là-bas en vrai. Que la nuit, voilà. Pour dormir. Faut monter. Non, c'est en haut. Ah, ici. C'est bon, moi. Il n'y a pas de quoi de neuf là, on n'a pas le temps. Ta moto paraît chauffée. Il n'y a pas de salut, ferme-la. La porte, toi. Cool si on peut prendre les loups aussi. Voilà. Parfait. Depuis tout à l'heure, chasser des. Voilà, il m'en manque plus seul maintenant. On va aller là-bas à 300 mètres, apparemment. Là, va y être dans la D. C'est quoi ça, truc du Nero là-bas? Il y a un truc mort à côté. Là, bug. Mais non, je peux pas monter. Oh rip. Oh non. Yo. Ça, c'est un animal ou pas? Non, pas. Ils ont des chiffons. Oh, il est tombé. Oh, oh la merde. Oh, c'est trop. Prends trop de temps là. Prends trop de temps. Oh, perds du temps. Perds du temps. Perds du temps. Voilà. Y'a un truc qui me court dessus? Non, y'a rien. Relève la moto et on y va. Faut chasser ce putain d'animal.
proche en plus. On va laisser quitter. Là, ça y est, frérot, là, je perds pas de temps. Hop. Headshot moins 200, ferme-la. Casse pas les couilles, j'en ai marre. On est où là pour faire de la chasse dans ce jeu? Sans balèque! Voilà, j'ai ta vieille viande, Boozer. Boozman. Va rapporter ça à Boozer. Ça va être tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était un épisode de mi-chasse, mi-histoire. C'est pas mal en vrai. Mais pas ouf. En vrai, la chasse, c'est chiant. C'est chiant quand t'as pas assez de balles, quand t'as rien, quand t'es dans la hesse. C'est relou. On va pas se le cacher. Je vais laisser la petite balade en moto pour que ça dure un peu plus longtemps. Voilà, sinon, ouais, comme on a le temps de parler un peu, en attendant que j'arrive, j'espère que l'épisode sera quand même bien. Je vais essayer de faire un peu plus de montage sur celui-là, pour rendre ça un peu plus, on va dire quoi, dynamique, et mieux à regarder que les anciens. Parce que ça y est, tu vois, faut innover un peu dans la vie. Bon, allez hop, raccourci déjà. Ça, c'est peut-être que ce sera mieux à regarder, ce sera, il y aura un peu plus de... Voilà. J'ai pas le mot, mais il y aura un peu plus de... Voilà, ce sera un peu mieux peut-être. Ça se trouve, personne va aimer, ils vont dire non, on refait comme avant. Genre, fais rien. Prends de la moto, gamin. Ramène la bouffe. Il est là, il reste allongé avec son vieux bras. Et... Ramène la boue. Je suis pas en forme, mon bras me fait un mal de chien. Hey, Boozman, j'ai ramené de la viande. Ça devrait nous tenir un moment. Salut Dick, merci. J'ai pas très faim là tout de suite. Je salerai la viande un peu plus tard. Chut, t'es sérieux? Moi je me casse le cul, je ramène la viande. Hop, c'est comme ça qu'il me remercie. Oh, j'ai pas faim. Oui, je connais Dick. Bah ça sera pour le prochain épisode, encore une fois, regardez. Oh, nouveau point de compétence, attends. Du coup, oui, point de compétence. Permet de tuer des ennemis petits après avoir échappé à leur prise. Capacité à réparer les armes de mêlée avec la ferraille. Oh. Ça, en vrai, je peux acheter combien? Ah, je peux acheter deux. Prends ça en premier. Hop. Prends ça en premier. Et en deuxième. Compétence 2 débloquée. Augmente les dégâts infligés avec les armes de mêlée fabriquées. Il joue les capacités à effectuer des combos plus longs avec des armes de mêlée. Augmente les dégâts. Déjà, on va augmenter les dégâts. Parce que voilà, c'est Stonks. Génial endurance à chaque ennemi tué au corps à corps. Bien, augmente la récupération initiale et la durée du cocktail d'endurance. Ça a l'air nul à chier un peu, non? Ok, incompétent. Non, on va prendre les combos. On a débloqué le compétence 3. Et je savais pas ça. Capacité à faire une roulade rapide et serait un balai. Capacité à étourdir un ennemi humain normal. Après une attaque de mêlée en cours de sprint. Donne aux armes de mêlée une chance d'asséner une attaque critique sur les humains. Ah, on prend direct. En direct. Ça c'est quoi? Charge, c'est de la charge. Vas-y, on va prendre ça. Voilà. Compétence 4 débloquée, let's go. Et on peut rien prendre parce qu'on n'a pas... Bon bref, pour revenir à là. Je vais faire une outro, mais et voilà, je suis parti d'un autre bail. Prochain épisode. Bah, comme d'hab, on va aller là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, mais on va y aller. Et voilà. On se retrouve au prochain épisode. Allez, à plus les mecs.